quelle journée. Oui. Tu t'appelles comment déjà? Steven. Stephen, super. Et bah t'as des cheveux là encore, donc tu peux balayer et plus vite. Et il en reste là-bas, t'as mal lavé aussi. Ok, d'accord. Bah à côté aussi pendant que tu y es. Ok, d'accord. Donc si tu peux passer vraiment le balai, pas. Et puis j'ai vu un mec perdre des cheveux dans les toilettes aussi. Si tu peux. D'accord. Bonjour. Allez, sur toi. Oh, madame. Hop. Ça, je vous dérange pas? Pardon? Vous avez pris rendez-vous? Oui, bien sûr, je viens faire mes contours. Ah, bah c'est parti. Ok, génial. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est un petit dégradé bas où on partirait sur un 0,5. Tiens, voilà, ça s'allume ce truc, j'ai jamais coiffé. Donc du coup, vous préférez quoi? Ton 2, ciseaux, je sais pas, moi d'habitude c'est Steven qui coiffe. Donc voilà, moi Steven, c'est ma première coupe. En plus, je suis Steven, coupé, quoi faire, mais Steven, coup, stop. Tu la connais? C'est ma meilleure amie. Ah. Laura, tu fais quoi ici? C'est stylé, tu travailles, j'aime bien. Non mais attends, parce que là ta pote elle est pas trop polie en fait. Elle rentre, elle dit pas bonjour, moi tu connais, je suis un déglago, elle lance ça, je vais prendre ta tête, je vais l'encastrer dans le truc. Ok. Laura. Oh mais c'est quoi cette chantilly? Non, touche pas ça. Tiens là, tiens. Occupe-toi de ta pote parce qu'elle a vu ma mère, je pense que je vais câbler. Non mais je te le dis parce que là ça commence à être limite. Non mais je gère. Non mais Laura, faut. Laura? Non, je veux parler. Prends le bras. Tu vas dedans. Laura, arrête, c'est bon, stop, arrête. Pas drôle. Tu fais quoi ici? Je suis venue te dire, je fais une soirée pyjama ce soir avec maman Pébo, Stéphanie et Clément. Donc je dors chez toi. C'est tout? Olivier? Bon, moi j'y vais. Ciao. Ça, Laura? Ciao, assois. Tu fais quoi ici? Il faut que je te dise un truc. Quoi? Tu te rappelles la soirée d'Halloween? Ouais. La personne qui m'a kidnappé? C'est papa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je te dis, c'est papa. Mais arrête. Écoute-moi, c'est papa qui m'a gardé enfermé dans la cave pendant des jours et des semaines. Il m'a fait des trucs chelous. Ah ouais, c'est un mec chelou un peu ton daron. Il faut absolument que tu viennes avec moi. Mais je peux pas, je travaille. Mais demande à ton patron. Patron, je peux. Non. Non, vas-y, je rigole. Ah, merci beaucoup. Super. Mais t'es pas payé. Mais faut que je joue à FIFA. Mais c'est pas mon problème. J'ai joué à acheter. PES, c'est mieux d'abord. Tes cheveux.